que depuis vos dernières aventures, quelques mois se sont passés. On est maintenant en hiver. Sachant que... sachant que comme vous êtes bien à la montagne, tout est blanc chez vous, bien sûr. La neige est tombée déjà depuis un petit moment. Vous êtes à quelques semaines de Noël. Ça doit être un truc genre le 14, le 15 décembre. Pendant ces mois, Jeanne, il y a quelque chose de nouveau s'est passé chez toi. Effectivement, tu as vu la fameuse Camille qui est revenue. Elle est revenue assez souvent. Au début, elle continuait à te poser des questions. Et après, elle revenait sans te poser de questions. Bizarrement, ton père... ton père s'habillait de mieux en mieux, buvait de moins en moins. La maison était de mieux en mieux tenue. Il avait même fini par trouver un travail. Jusqu'au jour où ils t'ont tous les deux assis à table. Ils se sont mis devant toi. Et ils t'ont dit... ton père t'a dit, écoute Jeanne, avec Camille, il faut qu'on te dise quelque chose. T'as remarqué qu'elle venait de plus en plus souvent et c'est plus vraiment pour le travail, quoi. Il se tape l'assistante sociale. Délicatesse. La Jeanne est restée les regarder. Puis elle a pas dit grand chose en fait. Puis elle s'est levée. Mais elle a dit bah très bien. Puis et préparé à sortir de la... Je sais pas, on est le matin, on est genre... Un soir. On est à l'école, une connerie, ou un soir. Bon, ça change pas grand-chose pour Jeanne, de toute façon. Parce que de toute façon, il bat très bien. C'est... Et puis, quoi, elle a... s'est préparé à sortir du salon... Elle s'est contentée de se retourner et puis lancer un regard, mais c'est même pas noir, quoi. Ça doit être haineux en direction de l'assistance sociale en lui disant de toute façon, je serai jamais ma mère. Et puis elle a claqué la porte et je pense qu'elle a enfourché son vélo et ils ont dû pas la voir pendant pratiquement une grosse partie de la nuit, quoi. Ok. Puisque Jeanne, même si son père buvait, de toute façon, ça lui allait très bien, quoi. C'était elle, son père, et puis le souvenir de sa mère. Ouais. Donc, que les choses aillent mieux pour son père, elle a... Ça lui passe au-dessus. Ok. Donc, au fur et à mesure des jours, tu vas quand même apprendre que... Ils se sont rencontrés quelque part entre... Non, dans les prés, ils se souviennent pas de tout. Ils avaient plus de vêtements. Entre Auroreville et Saint-Génie. Et que, voilà. Depuis ce jour-là, ils se sont rapprochés. Bah, de toute façon, clairement, hein, puis sur là, de toute façon, je vois bien vivre avec quand elle vient, mais. Moi, je suis. Fidèle à elle-même, hein, Jeanne. Elle, c'est comme un professeur, elle, hein. Donc elle est hyper agressive. Quand elle fait un sourire, ça doit être pour lui faire une crasse derrière le dos à la moindre occasion. Pour elle, elle la voit en fait comme quelqu'un qui remplace sa mère, quoi. Donc forcément, ça passe pas. Ok. Anna. Ouais, tout se passe bien à la maison. Mais à un moment, ton coach te convoque après un entraînement. Comment il s'appelle déjà ? Chikou. Chikou, oui. Ton coach Chikou te convoque après un entraînement et il te dit « Bon Anna, je vais pas passer par quatre chemins. Il y a... C'est qu'il y a une... Il y a une fille, elle s'appelle Muriel, tu l'as vue, elle jouait pas avant. Mmh. Et elle est arrivée dans l'équipe il n'y a pas longtemps. Ouais. Et il te dit, tu
suis désolé, mais tu vas perdre ta place pour l'instant en tant que titulaire dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que... Elle est meilleure que moi ? Bah écoute... C'est pas possible. Tu le vois bien à l'entraînement. Oui, mais je me bats pour garder ma place. Je suis toujours là aux entraînements. J'essaye toujours de donner mon maximum. C'est pas juste. Moi aussi, je travaille. Je sais que tu travailles, je le vois bien. Et j'espère qu'un jour, tu pourras reprendre ta place. Tu sais que... Tu sais bien que je t'aime beaucoup et que... Ce serait bien que tu reprennes ta place. Mais là, je dois faire ce qu'il faut pour le bien de l'équipe. Ok, mais ça se passera pas comme ça. Je vais reprendre ma place, je te le garantis. Eh bien, j'espère bien. Simon. Simon, toi, les rapports entre ton frère et tes parents ne font que se dégrader de plus en plus. Ce qui fait que te réfugies, toi, de plus en plus à bibliothèque avec ton groupe de rôlistes. Et un jour, je vais pas y arriver avec les noms, hein, je suis désolé. Bonas. Non. Votre MJ. Philippe, je crois. On peut l'appeler Philippe. Si tu veux. ça lui facilite la vie, il a déjà du mal avec les noms. Et en plus, tu vas les changer toutes les deux semaines. Alors, ça va l'arranger, quoi. Écoute, à partir de maintenant, il s'appellera Philippe. Philippe, ton maître du jeu te dit... Bon, Simon... je pense que tu es prêt. Je pense que tu es prêt à passer de l'autre côté de l'écran. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en suis 100%. On est 100%. Écoute, je te laisse un petit moment. Là, pendant les vacances, on va arrêter un petit peu les parties parce que j'ai faut que j'aille dans de la famille qui est pas tout près d'ici. Et du coup, ça te dit de nous préparer une petite campagne de ton choix. Monsieur, c'est un honneur. Ok, bah, je compte sur toi. On fait ça début d'année prochaine. Bah, une petite campagne. Ce que tu veux. J'espère que je serai à la hauteur. Il n'y a pas de raison. Je sais que tu seras à la hauteur. De toute façon, tu verras. Petite et campagne. Facile. Ouais, il y a des campagnes. Hein. Regarde celle-là, il y a 5 scénarios. 4. Cécile, à un moment... Oui, monsieur. Fin novembre, à peu près, t'as des gens qui sont arrivés chez toi. Des gens genre costard, petites lunettes, tu vois, des gens à l'air très officiels. Voilà, à peu près. Et qui ont commencé à discuter avec tes parents. Toi, au début, ils t'ont envoyé dans la chambre. Et au bout d'un moment, ils t'ont appelé. Et en fait, tu vas comprendre que t'as jamais... Enfin, ils ont expliqué à tes parents que personne de ton âge n'avait jamais eu d'aussi bonnes notes au test que ton prof t'avait fait passer. Et que donc, ils te proposaient, dès ta sortie de collège, de rentrer dans une école... spécialisé, géré par le loop. Mais, si tu rentres dans cette école... Tant que t'es des personnes responsables à Revolup. Ah. Si tu rentres dans cette école, il faudra que tu quittes tes parents. Ah ouais. Faut qu'on discute bien de ça, papa et maman. Voilà. Après, c'est à la fin du collège. Vous êtes en... vous êtes en quatrième. Encore un an, mais ils veulent pas laisser passer une fille aussi exceptionnelle que toi. Encore quelques mois, j'aurais été très enthousiaste, mais là, je vais en discuter avec mes parents parce que j'ai quand même vu des choses bizarres en loop. Cet ingénieur qui appelait sa maman. Après, je pourrais peut-être améliorer. Peut-être. Du coup, on a augmenté d'un an ou pas ? On en a un de plus ? Non, c'est quelques mois après. Vous étiez à l'automne, vous étiez genre en septembre-octobre, et là,
Et mi-décembre. Ça dépend, c'était quand ton anniversaire. Oui, et ça dépend de ton anniversaire. Si mon anniversaire, c'était en octobre. Hein, si elle est née en octobre, officiellement, elle a un an de plus. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, moi, je passe en quatrième et eux, ils passent. Non. Oh. Non. Parce que par... Je passe en cinquième et... Nous, on vient de rentrer en quatrième et toi, ouais, t'es d'accord. En cinquième. Ok, d'accord. Oh, je suis plus grande. Donc, du coup, comme je vous disais, donc, la ville est couverte de neige. Et vous avez passé une journée de cours tout à fait banale. Et le soir, Anna, quand tu rentres chez toi, il y a ton chien. Toujours le chien. Oui. Et toujours avec ce magnifique nom de chien, n'est-ce pas ? Attends, comment il s'appelle déjà ? Putain, bravo ! C'est un nom féminin. Oui, Anna. C'est pas Raven, c'est pas Raven. Ranga. Ranga. Et j'ai pris des notes quand même, hein. Faut pas croire. Ranga. Mais oui, tempête et tonnerre, tout à fait. Tempête et tonnerre. Ranga. Ranga, quand t'arrives chez toi le soir... pour l'aventure. Ta mère t'annonce que Ranga a disparu. Alors, je perds ma place et en plus je perds mon chien. Non mais y a rien qui va dans ma vie, là. Voilà. Donc ta mère est là, seulement. Ton père est rentré. Mais il est déjà reparti. Parce qu'il est parti chercher le chien. Et ça va durer toute la soirée. Je sais pas si elle est très au courant, mais on a des Tokiwoki. Ouais. Si, j'étais là quand il y avait les Tokiwoki. On peut s'appeler. C'est comme des portables, mais de 1986. Ouais, c'est grave. Il est arrivé quoi au chien ? Il est disparu. Et c'est clairement pas habituel. C'est pas un truc... Bah non, elle reste là d'habitude. Elle est... Voilà. Tout dans la maison. En fait, ton père est rentré, ça va durer une bonne partie de la soirée. Il va falloir rentrer vers genre 11h du soir. Bah, je vais sauter sur lui, je vais dire « Tu l'as retrouvé ?» Non. Ranga. J'ai pas trouvé Raven, mais Ranga non plus. ça tombe bien, demain j'avais ma journée, j'irai poser des affiches un peu partout. Je vais venir avec toi. S'il te plaît, papa. Et je lui fais les yeux doux. Bah, si tu veux, mais enfin, moi je vais juste poser les affiches avec notre numéro. T'auras peut-être plus de chances d'avoir des nouvelles en attendant ici un coup de téléphone. Je veux quand même venir avec toi. D'accord. Les autres, vous êtes rentrés chez vous. Et, vous vivez une soirée classique. Demain, vous avez école. Jeanne, Camille est là maintenant. Elle est là pratiquement tout le temps. C'est vrai. C'est pas une soirée classique. C'est une soirée pourrie. Je suis sûr que ça nous a préparé un de ces gratins de brocoli ou conneries avec, je sais pas, avec des légumes verts. Alors non, parce que... Pizza Luigi, moi j'en ai. C'est cette bonne femme. Absolument pas, voilà. Parce que tu es étonné par ton père qui se met à la cuisine. Ouh. Et c'est lui qui prépare le repas du soir. Alors c'est pire en fait. C'est pire. T'imagines même pas. C'est pire quoi. C'est quand il arrive et quand Jeanne le voit au fourneau en train de faire les petits plats. Parce que pour elle, c'est pas pour Jeanne. Il lui a jamais fait des petits plats. C'est pour... Ah, c'est pire en fait. L'image, c'est pas fin. Je vais dans ma chambre. Le lendemain, Anna, tu vas te réveiller et ton père est parti. Bien sûr, tu vas te plaindre à ta mère parce que tu devais partir avec ton père coller les affiches, mais ta mère va te rappeler qu'aujourd'hui, il y a école et qu'elle l'a rappelé à son mari et qu'il n'y avait pas question que tu passes ta journée à coller des affiches dehors. Mais si, mais c'est pas grave, l'école, je pourrais y aller demain. Ranga, c'est plus important. Oui, mais Ranga, écoute, papa est parti coller des affiches. Si on a un appel, on ira le chercher. D'accord ? Ouais, faut que t'ailles oui, à l'école. Oui, mais quand même. Je commence à pleurer un petit peu. Genre... De toute façon, il n'y a personne qui veut de moi. Même mon chéri s'en va.
Non mais arrête, c'est bon. De toute façon, cet après-midi, t'as pas école. Mais Chico, il a dit que je pouvais plus jouer à ma place. Comment ça? Il m'a dit que à cause d'une Marielle ou Muriel, j'en ai rien à faire. Hein, je pouvais plus jouer parce qu'elle était meilleure que moi. Mais ce sont des choses qui arrivent, Anna. Tu sais, il suffit que tu t'entraînes fort. Mais je suis sûr que tu trouveras ta place. Je commence à chouiner sur le chemin de l'école. Et votre matinée se passe. Vous vous retrouvez pour rentrer chez vous, comme d'habitude. Je sais pas si vous rentrez chez vous tout de suite ou si vous jouez dans la neige. Dites-moi, bon, bon, après, que faites-vous? Ouais, attendez. Les Cosmocats. C'est chier là, il n'y a plus. Ouais, on ira pas au wagon. Sérieusement, on va faire un bonhomme de neige dans la... près de l'ancienne gare là. Attendez, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que t'as? T'arrêtes pas de pleurer en ce moment, qu'est-ce que t'as? Mais Ranga, elle a disparu! Je pensais au Bondor pour les promotions du bonhomme des neiges. Ranga, c'est barré, elle a bien raison. Moi, je ferais bien de me barrer mais aussi. C'est pas habituel, d'habitude, d'être toujours à la maison. Même quand il y a la porte qui est ouverte, elle s'en va pas parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle reste là. C'est vraiment bizarre, mon père, il est parti pour les désaffiches. Hier soir, mon père, il l'a cherché, il l'a pas trouvé. À chercher. C'est la neige, on a des traces de chien, ça se voit dans la neige. Vous pouvez pas m'aider à trouver Ranga? Trouver chien caché? Ça, je crois que c'est... Et en échange, vous pouvez venir prendre le goûter à la maison. Ouais, tu sais quoi? Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je t'aurais dit avec joie, ce maintenant, l'autre... Ouf, là, c'est des BN à la fraise. J'aime pas ceux à la fraise en plus. Elle est c'est naze. Bah, c'est... Ouais, elle est très industrielle, la fraise. En ouais. Et Madame Pouf, c'est qui? C'est l'autre qui vient squatter chez moi. Mais de toute façon, elle va pas rester. Bah, c'est ça. Alors, je vais la faire dégager. Elle, ça, c'est bon. Si on combine la distance moyenne parcourue par un chien pendant une nuit, plus corrélée avec les points de nourriture disponible autour de chez toi, tu devrais pouvoir le retrouver facilement. Mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a enlevé. Mais pourquoi? Ça serait qui? Ça, j'en sais rien. Quelqu'un qui vole les chiens. Quelqu'un qui vole les chiens. Imaginez, c'est le loup et ils l'ont pris et ils font des expériences sur elle et tout. Ouais, t'auras peut-être un chien qui parle. Casse la figure. Super intelligent. Ils s'accélèrent pas les chiens en général. Vous pouvez m'aider à le chercher du coup? Oh, toi, tu sais ce qu'ils font dans le loop? Facile. Bah, y a pas longtemps, je t'aurais dit oui, mais t'as vu ce qu'on a vu. T'as entendu ce qu'on a entendu. Ouais. T'as senti ce qu'on a senti. Oui, ça sentait très mauvais. Oui. L'eau Et c'est un peu à cause d'eux que ton père est avec cette assistante sociale à cause des ondes NAP, je sais pas quoi. Mais tu penses que c'est ça? Ah ouais. Ils sont en contre-festival. De toute façon, c'est évident. Mon père, il finira jamais avec une assistante de truc qui veut. Et que ça se trouve, c'est elle qui a enlevé Ranga. Et que finalement, en fait, elle est là pour juste foutre la merde. Elle l'a enfermé quelque part. Alors, elle doit être responsable. Les probabilités qu'une assistante qu'elle enlève un chien sont énormes. Je suis pas sûr qu'elle soit assez maligne. De toute façon, elle est pas assez maligne pour voler un chien. Je suis même pas sûr qu'elle peut voler une. Un vélo. Elle est costaud ou pas? Elle est bête. Ah. Parce que Ranga, quand même, c'est un berger allemand, quand même, pour le voler. Mais t'as regardé s'il y avait des traces dans la neige? Mais non, mais parce que, en fait, j'ai su au moment où elle avait déjà disparu et il n'y avait plus de traces dans la neige. Parce qu'il était en train de neiger. Le temps de recouvrement d'une empreinte de chien dans la neige, c'est très très court. Ça dépend, est-ce qu'il a neigé hier? Je sais pas. Je dormais parce que j'ai pas mangé et j'avais faim et bref, ça m'a fait dormir. Et bref, j'ai pas vu s'il a neigé hier soir. Il a neigé là, cette nuit. Mais... J'habite où déjà dans le quartier, moi? Je me rappelle plus. Vous êtes tous au quartier de la gare. On n'a pas déterminé de maison exactement, vous êtes dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare? Pour toi, une maison avec jardin. Hein. Genre ça, là? Non, le quartier de la gare, c'est là. Ah, ok. N'importe, t'es dans une de ces maisons. On va au wagon, on va établir un plan de bataille.
Eh ben, si on va au wagon, peut-être qu'on la retrouvera dans le coin. Elle a pas dû s'échapper loin, je suis sûr. Si elle s'est échappée. C'est ce que je vous dis depuis le début, on va faire un bonhomme de neige au wagon. Si je retrouve et que c'est quelqu'un qui est en train de lui faire du mal, ça va barder, je vous le dis. J'ai pris ma crosse de hockey. J'ai dit à mon père que peut-être qu'on allait jouer au hockey après les cours. Bon, allez, on y va, on va au wagon. Comme ça, si on la retrouve sur la route. Donc, vous vous dirigez vers votre planque, le wagon abandonné à la gare. Abandonné, elle aussi, il me semble. Sur la route, tu vois, Anna, que ton père a travaillé dur. Hein. Tous les 10 mètres, il y a une affiche agrafée sur les poteaux, les palissades, tout ce sur quoi on peut agrafer des affiches, avec une photo de ton chien. Et autour d'une de ces affiches, vous voyez, trois adolescents. Simon, tu les connais. Ces trois adolescents ont des surnoms. Tu connais pas leur vrai prénom, mais leur surnom, c'est Mara, Muffin et Spike. Et en fait, c'est des ados d'une bande plus ou moins rivale de celle de ton frère. Et ils sont en train de regarder l'affiche, parce que ton père a promis 100 francs pour si quelqu'un trouvait Ranga. Ils sont là en train de discuter, vous entendez, ouais, vous imaginez avec 100 francs, toutes les cloques qu'on pourra acheter et tout, on va le trouver ce clébard. Ouais, je suis sûr que bah, ça doit être facile, de toute façon les chiens c'est con. Bah je vire au rouge. T'as dit quoi? Quand je trottoir. Qu'est-ce qu'elle veut la naine là? Les chiens ils sont pas cons, c'est toi qui es con. Allez, tu vas te calmer, la petite. Qu'est-ce que t'as? Toi aussi, tu veux le retrouver, c'est ça? Moi, j'arrive. Non, tu parles pas comme ça à ma copine. Moi, je te casse les dents. Hein. Tu me casses les dents? Et là, ils se mettent à rigoler tous les trois. J'ai balancé un caillou quand ils commencent à rigoler. Allez, sachant que c'est des ados qui ont 16-17 ans. Hein. Ah, rien à faire. Bon, alors, c'est pas ça qui lui fait peur. Ah, je s'accroche. Ouais, je te casse les dents. Ça te pose un problème. Non, tu sais quoi, je vais lui donner un coup de skate. Dans les jambes, ça doit faire bien mal avec les roues, là, dans le genou, tu vois. Mm-hmm. Je veux juste te dire que les chances de victoire de deux enfants de 11 et 14 ans contre des grands adolescents de 16-17 ans sont pas énormes. C'est de l'ordre de 15%. Cécile, qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi. Partez pour changer de trottoir et puis je crois qu'en fait je suis grave énervée parce que j'en ai marre d'entendre tout le temps tout le monde râler et je crois que je vais finir par juste charger quelqu'un au hasard, genre ça tombe sur moi. Ah bah. Non, non, mais tout le monde devient fou. Mais c'est pas possible. Attends. Moi, je donne un coup de tête à celui qui a dit que les chiens, ils étaient débiles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire... Donc, ceux qui veulent taper sur ces ados, vous allez faire un jet de force. Sachant que, vu la différence de force entre vous, il va falloir faire deux succès pour les atteindre. Oh là là, le make-up. Je peux mettre skate, du coup, vu que j'utilise mon skate pour le taper. Vas-y. Et Jeanne charge avec sa crosse de hockey. Je vais brandir mon bouquin, alors. Taper avec mon livre. Fais-toi plaisir. Donc, Jeanne, t'as pris lequel, vu que vous êtes trois, hein? Je sais plus. Muffin, parce qu'il s'appelle Muffin. Ok, donc Spike, c'est celui avec ses pics. Hein. Muffin, c'est... T-shirt anarchie et Mara, c'est la fille. Je prends le plus balèze. Hein. C'est celui qui paraît le plus balèze. Si c'est celui avec les pics, je prends Spike. Quoi. Moi, j'attaque celui qui me paraît le plus fort. Hein. Je vais essayer de relancer en utilisant un point de chance. Oui. Par contre, les points de chance, ils se remettent à zéro à chaque mystère ou pas? Oui. Ah, parce que j'avais un point de chance déjà. Ok. Donc.
Jeanne, tu t'attaques à Pic sur la tête. Celui qui a dit que les chiens étaient cons. Anna, bah, on va dire que c'est celui avec son t-shirt anarchie. Et Simon, tu t'attaques à la fille, du coup. T'appelais fille. Donc, clairement, Simon, tu vas arriver avec ton... Tu vas arriver avec ton livre et tu vas te prendre une gifle monumentale qui va te sécher sur le cou. Et tu vas me cocher à... Pas blessé quand même, mais je sais pas, contrarié. Ouais, contrarié, c'est bien. Mais déjà qu'il est vénère. Et les deux autres. Les deux autres, on va lancer des dés. Voyons faire. Donc, Spike, que tu charges Jeanne. Il va pas te frapper, mais tu vas pas le frapper non plus, en fait. Vous allez entrer dans une sorte de mêlée, mais ni l'un ni l'autre, vous n'arriverez à vous faire mal, en tout cas pour l'instant. Et quant à Muffin... coup de skate dans les genoux, allez hop. Voilà, tu lui donnes un coup de skate dans les genoux. Il va hurler. Ah, on rigole moins maintenant, hein. Il va hurler, mais par contre, vu que Simon, pour l'instant, est à terre, il y a sa copine qui va venir l'aider pour venir à bout de toi. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous voulez continuer ou arrêter? Bah, quand je vois Simon qui est à terre, je me précipite pour le défendre. Tu perds pas mon cousin, sinon je te fracasse la tronche. Et moi, est-ce que je peux essayer de balancer... quelque chose qui pourrait interrompre le combat. Est-ce que je peux bidouiller le Toki pour faire un bruit de sirène de caf qui leur fasse peur? Ah, tu peux. Ce sera un bricolage pour essayer de simuler une sirène avec ton Toki. Il fait quoi celui qui est sur Simon? Mais pour l'instant, ils sont en mêlée. Non, celui qui est sur Simon, c'est la fille. Simon est arrivé avec son livre, la fille lui a décroché une gifle, Simon est par terre. Et il se jette sur toi pour aider son pote. Ah, c'est elle qui lui a mis... Bah, je lui mets un coup de skate dans la tronche à elle. Ah, mais là, t'en as deux en face de toi. L'autre, il est pas mort. Et... Oui, je sais. D'accord. Et du coup, je change de cible pour rendre coup pour coup, en fait. Ouais. Donc, Cécile, tu arrives à... Tu arrives à faire une sirène de flic avec ton Okiwaki. Il arrive à la faire fuir avant qu'elle le tue avec son skate. C'est la dernière avec saison. Tu peux taper Simon. Pas en couille. Cette connasse. Oui, mais pour l'instant, je prends pas ce jet en compte parce que je ne l'ai pas demandé. Et encore une fois, ils sont deux contre toi, donc même avec trois succès, t'es pas sûr de les... Mais, de toute façon, à partir du moment où ils entendent une sirène de flics, pour eux, ils savent pas que vous avez des talkie-walkie, du coup, ils ont l'impression que des flics arrivent. Et du coup, t'as le Spike qui dit « on se casse, vite, il y a les flics qui arrivent !» Et il se barre en courant. Ouais, « Cassez-vous, bande de mauviettes !» Moi je lui lance « Eh, c'est ça, retourne chez ta mère !» En partant, ils se retournent quand même et ils disent ils se les miochent, vous payez rien pour attendre. Prochaine fois qu'on vas-y, vous croise, il n'y aura pas les pliques pour vous sauver. Et moi, je lui fais des gros doigts. En fait, j'y mets Jeanne, tu sais, je fais la même chose. Genre, je répète ce qu'elle dit et je répète ses gestes aussi. C'est bien. C'est important. Je te tape dans le dos, je dis, c'est bien, tu suis le bon exemple. Je sais. En même temps, ils ont parlé d'Anga, ça m'a... En plus, ils ont tapé Simon. Franchement, elle a eu de la chance, la gamine. Non, en vrai, vous avez de la chance d'avoir un MJ gentil, parce que normalement... Dans le livre, ils disent de même pas faire les tests pour ce genre de combat. Il y a une trop grande différence de force. Mais ton père, il est bête de promettre de l'argent. Non, ils vont mentir, rien que pour avoir les sous. Ouais, c'est pour ça que je voulais y aller avec lui, mais ma mère, elle m'a dit non. Oh, je suis sûr que ma mère en ce moment, en plus, elle est... Vous voyez le bonnet que j'ai sur la tête? Bah, c'est elle qui l'a fait. Elle dit non, mais il faut que tu le mettes. Ça m'a saoulé. Le bonnet en poulpe, là? Ouais. Ouais.
Un pompon rose. Histoire qu'on me reconnaisse bien. Je crois que l'autre assistante sociaux là, s'est mis dans l'idée de me tricoter une écharpe. Quelle naze. Je te comprends. Rose. Moi je sais pas. Elle a dit c'est une surprise pour Noël. Mais elle est trop bête. Avec des licornes, ça se trouve. Elle écoute du jazz. Suite à ces événements, que faites-vous? Il faut peut-être qu'on trouve le chien d'Anna avant qu'il se fasse courser par tous ces... Ouais, mais on a aucune piste. Ces escrocs, là. Tu vas aller où? On a Anna. Il y a un chien qui est capable de sentir l'odeur de sa maîtresse jusqu'à approximativement 564 mètres. Cécile, tu crois que tu serais capable de me bricoler un sifflet pour chien? Tu sais, les trucs là qui s'entendent pas quand tu souffles dedans là. Mais si ça s'entend pas, ça sert à rien. Mais c'est que les chiens qui entendent, tu sais pas ça? Ce sont des sons. Oui, c'est ce son qui dépasse la fréquence de. Ouais, bah, justement, je te laisse pas finir, je soupire, et je te balance une boule de neige. Allez, bataille de boule de neige! Bataille de boule de neige! Ouais! Je leur balance une sur Simon, mais moins fort, tu vois, pour éviter qu'ils s'en prennent. Bah, vu que Simon, il a l'air contrarié dans son coin, il dit rien, moi je lui en balance une grosse et très fort. Simon, c'est relevé. Me casse. Simon, boule de feu! Me casse, moi. Ouais, Simon, bataille de boule de neige. Mais reviens. Je vais exister. Je peux jouer dans ta campagne, Simon. J'ai lu le livre des règles en détail. Je suis là. Moi, j'ai rien compris. Ils me disent de lancer des D20. Simon, c'est pas grave, les baffes. Je lui rendrai deux, t'inquiète. Reviens. Non, mais je pense que tu te rends pas compte, genre, à quel point c'est pire, genre. Le seul gars du groupe, à chaque fois que je fais un truc, je me fais défoncer, genre. Il y a que les meufs qui se défendent. C'est en plus, t'as genre quoi? T'as 3 ans de moins, t'es? Genre, surtout là. Mais Simon! Même pas. Bah, ça sert à rien quand il est furax comme ça. Bah, si, moi je cours après. Attendez, vous faites quoi là? Vous allez aller chercher le chien? Ouais. Vous faites juste une bataille de boules de neige? Bah, on faisait une bataille de boules de neige, on va aller chercher le chien. C'est bien plus intéressant que les combats des. Oui. Je vais vous suivre, mais. Je vais aller bouder le temps que vous passiez votre bataille. Jeanne, elle va voir Simon. Parce que... Non, mais tranquille, on va y aller. Je balance une boule de neige. Allez, Simon, viens. Tiens. Mais oui, on y va. On y va. J'essaie d'esquiver, mais j'esquive du mauvais côté, bien évidemment. Je la prends. Oh, non. Ah. Du coup, je me barre, mais je pense détailler, quoi. Et le meilleur move de Cécile me fait rire. Et comment on peut retrouver un chien? Il y a une fourrière à Aurora. Il n'y a pas de fourrière à Auroraville. Non. Mais non, je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a pris, putain. Ouais, ben, on va pas deviner comme ça qui l'a pris. Peut-être demander aux voisins. Faut aller voir. Ranga! Faut qu'on aille voir. Madame Albert. Oui, mais elle passe son temps à regarder à travers son rideau. Elle a sûrement vu qui a pris le chien. Ah, mais elle fait flipper sa mère. Elle a déjà vu son jardin, elle. Ouais, elle a un jardin bizarre. Elle a un vieux poireau sur la joue. Iu. Elle a des poils dessus. Un palmier, le truc. Bon, bah, on va voir la sorcière. Peut-être qu'elle a vu un truc, mais bon. Je sais pas. Moi, on va pas demander à la police pour un chien. Ils ne prendront jamais au sérieux, de toute façon. On va quand même regarder les traces dans la neige. Donc, où allez-vous? On va voir la sorcière, non? Peut-être qu'elle a vu un truc, je suis d'accord avec Jeanne. Et Simon, ton prêtre level 25, il ferait quoi dans ces cas-là? Il est mort. Ah, pardon. Oh non. Oh, mais pas le coup la boulette. Ton voleur level 2 revole. Il ferait quoi? Il volera un chien, ouais.
Du coup, en passant, voilà. Je prends juste une affiche pour montrer à la sorcière. Ah oui, et on va pas voir que la sorcière. On tape chez tous les voisins. Allez, venez, on va voir Mélanie, là. Oh ah ouais, pas bête. Qui a dit Mélanie? Son chien, là, il pourra retrouver mon chien. C'est qui, Mélanie? C'est la meuf qu'on a vue dans la forêt, là. Ouais, tu sais, et puis il y a son oncle, là, genre, c'est un génie. Bon, ça fait déjà son truc. Mais ils sont pas partis. Je sais plus comment il s'appelle, son chien. Bah, elle habite près de la gare. On peut aller voir. Mais il a un tout petit chien, c'est un chien... Où allez-vous en premier? Ça veut dire, il commence à s'énerver, je le sens. Non, non. On va chez Mélanie. Ce sera mieux, peut-être. Chez Mélanie. Bah, Mélanie. C'est près de la gare, allons chez Mélanie. On sonne chez Mélanie. Ok. Et comment il s'appelle, Franck? Ça va être très très rapide, ouais. Parce que... en fait... non, il n'y a personne. Et je sais pas, Simon se souvient que oui, effectivement, ils ont déménagé il y a un mois. Qui s'était parti? Ils ont déménagé. Ils sont partis de Rouenville? Oui, oui. Ah. En fait, vous l'aviez revu quelques fois. Son oncle se sentait plus bien depuis ce qu'il avait fait. On va taper chez les voisins direct s'ils n'ont pas vu voir Ranga. Ouais. Déjà. Allez. Et on pourrait passer chez le mec aux oiseaux, là. Je suis sûr, lui, avec... C'est super loin. C'est l'autre côté de la ville. Ok. Pas en vélo, mais il habite de l'autre côté. Ranga, en plus. C'est presque pareil. Il y a des différences physiologiques majeures entre les chiens et les oiseaux. C'est des animaux, quoi. Peut-être que vous pouvez demander aux pigeons. On peut dire ça, quand même. Et ils sont tels que 4 pigeons, quand même. C'est vrai. Bon, ben, moi, je toque chez les voisins. Ok. Un voisin en particulier ou tu toques chez les voisins? Madame Albert. Ah, Madame Albert, ok, bah on toque chez Madame Albert qui regarde tous les allées et venues. Vous allez toquer chez Madame Albert. Effectivement, déjà, rien qu'en arrivant pas loin de chez elle, vous voyez qu'elle était en train de vous regarder par son rideau. Je fais coucou. Et quand vous tapez, elle vous dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? Qui c'est qui vient ?» Bonjour madame, je suis Anna, j'habite dans le quartier, vous vous rappelez de moi? Ouais, petite délinquante, qu'est-ce que tu veux? C'est mon chien, il a disparu, vous l'auriez pas vu? Je m'en fous, je m'occupe pas de la vie des autres, moi! Entrez chez vous! On dirait pas. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide, madame. Ça durera pas longtemps, après on s'en va. C'est déjà trop long! Rentrez chez vous, je veux pas avoir affaire à des petits délinquants dans votre genre! Et si vous ne vous répondez pas à la question, je casse votre nage jardin là. Et je montre à notre jardin qui est dans le... Moi je lui crie derrière. Albert, sorcière. Écoute-moi bien ma petite Anna, si tu t'en vas pas tout de suite, je vais appeler ta mère. Et touche à mon nage jardin, je vais appeler la police. Ça m'étonne pas que les vieux comme vous, ils se sentent seuls. J'appelle la police. La police n'est pas très habituée pour les nage jardin. Sorcière! Vous la voyez à sa fenêtre en train de commencer à composer un numéro sur son téléphone. Je dis, c'est lui, je vais encore entourer ta maison de PQ! Oh, la masse de PQ! Non, mais s'il vous plaît, madame! Près, 154 mètres de PQ pour entourer cette maison jeune. Non, mais tu sais pas faire, tu prends les rouleaux et puis tu les lances et puis ça se déroule comme ça. Et puis c'est super, ça, en plus elle a un sapin, ça s'agrippe dedans. Bon, après, il faut que je vole du papier toilette au commode. Mais voilà. En plus, il y a une récompense. Je force le truc. Non, mais laissez tomber, elle est bête. On va aller voir les autres voisins. Non, tente-toi une autre maison. Vous allez toquer chez d'autres voisins. Il y en a quelques-uns qui vont vous dire que oui, effectivement, ils ont vu le chien en dehors du jardin, qui n'avait pas l'habitude, et qui se baladait dans le quartier. Après, ils n'ont pas plus fait attention que ça. Ça, c'était hier dans la matinée. Hier dans la matinée? Alors, moi, par où il allait? On ne sait pas. Il se baladait dans le quartier et est parti... On sait pas, peut-être vers la gare, peut-être... Ouais, je sais pas. Vers la gare désaffectée ou...
Il y en a qu'une. Ah oui, oui, pardon. Je crois que le centre médical, c'était une gare. Ok. Il se baladait vers la gare, vous dites ? Ok. Je sais pas s'il se baladait vers la gare. Il se baladait dans le quartier. Après, moi, j'ai pas suivi le chien. J'avais pas que ça à faire. On quadrille le quartier en l'appelant. Hein. T'as pas des petites friandises qu'elle aime bien ? Non, mais il était déjà dans la rue. Ça veut dire que c'est pas une personne qui l'a enlevé. Ouais, ça veut dire qu'elle s'est échappée. Déjà. C'est bizarre quand même. C'est pas habituel de Ranga. Normalement, elle reste à la maison. Il y a forcément un truc qui l'a attirée. Ou qui l'a forcée à sortir du jardin. Parce que je vous dis, même quand on ouvre la porte, elle sort pas, elle s'en fout. Pendant que vous faites des tours et des détours... Et on l'appelle avec des petits gâteaux. Allez, on l'appelle dans le quartier. Pendant que vous faites des tours et des détours dans le quartier, en appelant Ranga, Ranga, d'un moment, Anna, il y a ta mère qui va... Ranga. Il va sortir, parce que vous êtes dans votre quartier, hein, tu passes plusieurs fois devant chez toi, et qui va t'appeler. Anna, viens voir ici. Tu voulais pas aller avec ton père coller des affiches ? Papa est rentré ? Ben oui, mais il va bientôt repartir, donc si tu veux coller des affiches, c'est maintenant. On a eu un appel ce matin. Ah bon ? Ouais. C'était qui ? Ah ben... C'était quelqu'un un peu plus loin, pas dans le quartier, mais dans le quartier voisin. Mais en fait, il était... Il était en balade dans le parc naturel et il affirme qu'il aurait vu Ranga dans le parc naturel. Et ça me semble bizarre parce que... Ouais, ça me semble bizarre parce que c'est loin. C'est méga loin. Il y a un des voisins qui nous a dit qu'ils l'ont vu hier matin dans le quartier. Ouais, mais lui m'a dit qu'il l'aurait vu le soir dans le parc naturel et en plus vers... Vers le pic du tonnerre. Ah. Bon, dis à papa que j'irai plus tard à coller des affiches. On va essayer d'aller la retrouver au pic du tonnerre avec mes amis. Là, je donne un on va aller se balader. Je donne un gros coup de coude. Tu vas pas au pic du tonnerre, Anna. Là, même si tu pars maintenant, tu vas pas arriver avant la nuit. Hein. Le soleil se couche à 5 heures, là. Hein. Donc ne fais pas de bêtises, hein. En plus, y a beaucoup de neige là-haut. Attention à toi. À 7h, t'es à la maison. Promis. J'espère bien. On a école le lendemain. Oui, c'est mercredi. Plus de facilité, c'est toujours mercredi dans le jeu. Que faites-vous ? On a école le matin. Le matin, oui. Non, aujourd'hui c'est mercredi, vous n'avez pas école cet après-midi, mais demain c'est jeudi, il y a école toute la journée. Il y a du temps, il faut... Enfin, le pic du tonnerre, c'est loin. C'est loin, il nous faut des vêtements bien chauds. Ouais, j'ai mon bonnet, c'est bon. Non, non, mais là, il faut tout, là, la tiraille. On l'a déjà fait, non ? Imaginez, il est au pic du tonnerre. Ouais. C'est plus loin, c'est encore plus loin hein, que les pigeons. Oui, et c'est puis, largement plus loin. Vous savez qu'il y a une route pour y aller. Et vous savez que en été, ça vous prend quand même un petit moment. Vous l'avez déjà fait. Mais en hiver, avec la neige, etc., si la route est pas dégagée, c'est pas la porte à côté. Et en voiture, c'est plus rapide. En voiture, bah oui, forcément. Si on peut pas demander à Jonas ou un de ses potes, autant il serait chaud de nous emmener. Jonas, mais ouais. Il a 18 ans. Ah oui, mais il n'a pas le permis. Peut-être. Non. Je confirme, il n'a pas 18 ans, il est au lycée. Il n'a pas le permis. Et ton père, Anna ? Ouais, on peut peut-être demander à mon père qu'il nous amène. Ça ira plus vite. Bon, ça marche pas. Je peux négocier avec lui pour qu'il nous emmène et qu'il nous ramène. On est dans le même quartier. Il est là, ton père. T'attendais pour voir si tu voulais aller coller des affiches avec lui. Bon bah je vais le voir alors. Ça serait bien papa, plus papa. Raisonnable, je pense. Papa ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, elle m'a dit pour le pic du tonnerre. Ouais. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous emmener, moi et nos amis, en voiture ? On ira plus vite. Juste pour aller voir, pour faire un tour. Tu viens avec nous ? S'il te plaît.
Bah, écoute, moi, de toute façon, j'y allais. Ah. Oui, vu qu'on l'a vu là-bas, du coup, je connais... Eric, le garde forestier, qui est en poste là-bas. Ah, du coup, j'allais aller voir s'il avait vu quelque chose. Ah, on peut venir avec toi ? Si vous voulez venir, venez, mais il faut que tes copains ils demandent à leurs parents. D'accord. Allez, monsieur. Et je vous ai dit... J'ai dit oui, mais il faut demander à vos parents. Bah, Simon, c'est bon. Je vais vite. Ouais, Simon, on va téléphoner à ta mère. Qui donnera son accord, vu que c'est la famille. Ah, Jeanne, clairement, elle dit ah, je vais demander. Elle va 5 minutes derrière une haie, puis elle revient, hey, c'est bon. Regarde. Et Cécile, est-ce que tu filoutes ou pas? Pour de vrai, bien sûr. Ok. Elle fait pareil que Jeanne, elle va dans la même direction, derrière la même haie. Donc Cécile va demander à ses parents qui sont pas super chauds pour te laisser partir un après-midi comme ça au pic du tonnerre, donc il va falloir que tu me fasses un petit test. C'est avec le papa d'Anna. C'est avec le papa d'Anna, vous le connaissez, il est gentil, il va rien nous faire, il nous ramène. C'est pour trouver le chien. Tu vas me faire un petit test de charme. Tu fermes tes parents quand même. Oh putain, merde. Écoute Cécile, il fait froid là. Le pic du tonnerre, c'est pas la porte à côté. T'es sûr de vouloir aller là-bas parce que. Moi, je préférerais que tu rentres et que tu viennes faire tes devoirs quand même. Mes devoirs, maman. Ils ont pas vu quelqu'un comme moi depuis des années. Qu'est-ce que je vais faire mes devoirs? Je suis déjà pris à une école mieux que celle à laquelle prépare le collège. Je vais plus vous voir après. Là, j'ai l'occasion d'être avec mes amis. C'est peut-être une des dernières fois. Est-ce que tu utilises un point de chance pour allez, relancer? S'il te plaît. ça j'ai déjà fait. De toute façon, tu le sais qu'ils vont pas partir sans moi, sinon ça va être la galère. J'utilise un point de chance. Tu sais que un esprit. La fierté ne marche pas. Ah non, va falloir te débrouiller pour sortir. Après, tu peux sortir. Je n'ai pas reculé, même quand c'était la merde. Ça marche pas. Je suis un point de chance, mais sans conviction. Ah, si, ça marche. Et voilà. S'il te plaît. D'accord, mais vous rentrez tôt. Hein. T'es là, c'est mon papa ou ma maman qui me parle, en fait? C'est ta mère. T'es la meilleure maman de l'univers. Je fais un bisou comme ça. Très, très lâche. Elle te fait un bisou et dit, oublie pas ton... Merci, maman. Oublie pas ton bonnet, tes gants, et puis tiens, prends ça pour le goûter. Commence à te préparer un petit sac avec un goûter, ton bonnet, tes gants, une écharpe, tu vois. Tu pars équipé. Je reviens faire les autres. C'est bon, ma maman elle a dit oui. Et quand je dis, tu sais qu'on va au pic du tonnerre avec le père d'Anna, hein. On va pas monter l'Everest. Alors non, mais il faut savoir quand même que l'altitude moyenne du pic du tonnerre se situe entre... Ouais, on monte dans la voiture, on y va. Allez, je vous devant. Vous partez donc en voiture vers le pic du tonnerre. Moi, je vais à l'arrière et puis je dis, hey, Simon, tu viens à côté de moi. On va faire une petite pause.